L'objectif du projet Épilogue est de pouvoir caractériser la performance intrinsèque des bâtiments, bâtis et systèmes. Il a deux objectifs principaux. D'une part, développer une méthodologie novatrice qui permette de caractériser la performance intrinsèque des bâtiments dans leur ensemble, enveloppe et système. D'autre part, de réaliser un premier prototype qui puisse permettre la mise en œuvre de cette méthodologie. Pour la réalisation de la mesure de la performance thermique, l'opérateur doit dans un premier temps couper tous les systèmes de chauffage et de ventilation. Il s'assure également de l'étanchéité des différentes prises d'air en plaçant des éléments d'obstruction adéquats. Il repère alors sur le plan la position des différents modules à installer. Les modules intérieurs se placent dans toutes les pièces principales et sont pourvus de prises afin d'alimenter les éléments de chauffage ainsi que des brasseurs d'air. Ces derniers permettent d'uniformiser au maximum la température intérieure. Le module de mesure de température extérieure, de taille réduite, se place en face nord, à l'abri de tout rayonnement solaire. Le module d'irradiation solaire se place, lui, en face sud, sur une zone non ombragée. Enfin, l'opérateur pose et démarre le module principal. Celui-ci identifie tous les modules présents dans le logement et permet de gérer et de démarrer l'essai. Il limite les apports solaires en occultant les fenêtres. Une fois toutes les vérifications faites, il peut sortir du logement et apposer le panneau indiquant qu'un essai est en cours. Le module principal dispose d'une connexion Internet, permettant à l'utilisateur de vérifier à distance le bon déroulement de l'essai. Après un temps de stabilisation, le module principal active le chauffage afin de réaliser la mesure de la performance intrinsèque. La mesure de la performance intrinsèque est un enjeu pour le domaine du bâtiment et pour tous ses acteurs. Le projet Épilogue, soutenu dans le cadre du programme PACT, a répondu à cet enjeu par le développement, d'une part, d'une méthodologie de caractérisation de la performance du bâti et des systèmes, et par la création d'un dispositif de mise en œuvre de cette méthodologie.